to aspire a flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut à tous, c'est Miss Paddock, c'est notre pour ce 5e épisode, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est le 5e. Ou le 4e. Peut-être le 4e. Épisode de notre aventure sur Pokémon version. Bouclier. C'est pas évident. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup avec notre personnage. La dernière fois, on venait d'arriver ici dans les terres sauvages. J'espère en tout cas que celui-ci va vous plaire. Toujours avec notre perso. En vrai, notre perso est pas dégueu. Il y a juste la coupe qui est. On fait blanc. On va pas se le cacher. Mais bon. On va du coup continuer. Et on devait aller, je crois, Où est-ce qu'on devait aller? Je crois que c'est à. Voilà, Motorbi qu'on devait aller. Motorbi, Motorbi. Et donc, on est parti pour, du coup, les terres sauvages. Donc, voilà. Je vous rappelle que dans notre équipe, on a toujours Mimizange, Wistempo, Kellocroc et Voltoutou. Donc, d'ailleurs, on va mettre Kellocroc devant, un petit coup. Et on va essayer de se faire Sonix. Trouver un message. Les Pokémon des terres sauvages sont extrêmement puissants. Mais non. On va tenter. On va tenter. On va se faire. On va peut-être se faire poutrer, mais on va voir. On va voir niveau combien il est. Ouf. 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 Qui fait le malin en tout dans le ravin, hein, j'ai envie de vous dire. Par contre, décimer tous mes Pokémon. Voilà, s'il te plaît, merci. C'est pas une bonne idée, les terres sauvages. Tu peux me soigner? Même pas, tu soignerais mon équipe. Qui c'est? T'es ok? Des lapins. Des lapros, je crois. Oh, des... Papillusions. C'est beau, n'empêche, les terres sauvages. Oh mon dieu, les Pokémon qu'il y a. On passe par où, pas les Motorbi? Bonjour, monsieur. Jette un œil. Du pain, ouais, ok. Bon, c'est des achats. On a les... faisceaux, là. Il y a un truc, on se fait attaquer par un... La pro. Sa pro. Par un sapero, on s'est fait attaquer. Ok. On va pas les... On va pas le capturer. Excusez-moi, éternuement. Je disais, on va pas le capturer, on n'en a pas des masses besoin. Bon, par contre, Kellocroc, du coup, prend aucun XP. Comme il est KO. Ce qui est logique. Du coup, voilà. Là, on a des trous... Oh non, mais ok. On peut rien. Ok. Là, on a des entre Dynamax. Bon, en fait, c'est un. Donc voilà, déjà, on a des watts. Ok. Et on peut avoir des Pokémon. Il me semble que ceux où il y a le faisceau rouge, il y a des Pokémon Dynamax dedans. Oula, attention, niveau 10. Il va me buter. Envoyez Mimizange. Mimizange.
Monsieur les choux, parfait. Ouf. Elle a encore un pic-pic. Parfait, ça va faire pas mal d'XP pour tout le monde. Misange qui passe niveau 11, parfait. Ok. Et donc, j'aimerais bien, voilà, aller lui tuer à celle-là. Voir s'il n'y a pas un Pokémon, du coup, dedans. 300, oula. Et vous voyez, voilà, il y a un Pokémon sauvage. Je sais pas ce que c'est un Pokémon de type fée. Et on n'a rien pour le faire. Donc, on va pas le tenter. Peut-être qu'on le tentera un jour, mais pas pour le moment. Et voilà. Et la différence, on va pas y aller, mais là, c'est que c'est une encre Gigamax. Donc c'est pas un Pokémon Dynamax, c'est un Pokémon Gigamax. Bon, pour le moment, on va pas aller voir ça, on ira voir ça plus tard. La Coupenote Est. Et donc c'est pour ça, je sais pas en fait si on pourra faire le Pokédex à 100%, vu qu'il y a le système aussi d'échange, il y a le système de... Avec ça, je sais pas si on peut faire le Pokédex à 100% en fait. Je ne sais pas. Paix de watts, non. Oui, donc les watts... C'est ça, les watts, c'est la monnaie des terres sauvages. Tiens, regardez, on va aller voir le relais, enfin l'antre Gigamax, pour que vous voyez. Donc voilà, hop, on récupère les watts. Ça, c'est un type normal. Comment on va galérer. On va tenter. Et voilà, du coup, on a été éjecté. Ok, c'est pas grave. Vous avez du coup vu un combat normal. Je vais pas vous faire montrer, mais là-bas, enfin, on va pas y entrer, mais je vais juste vous faire montrer ici. On a un combat Gigamax avec un normal ténèbre. On va pas le tenter, mais enfin, vous avez compris. Donc, voilà. Quoi que ce soit, il y a un Goélize. Un Goélize, je pense que je peux me le faire avec un Pokémon de type. Ouais, mais après, Wistempo est pas très... On va aller dans la ville. On va dans la ville. On va voir à revenir après. De toute façon, voilà, on va pas farmer les niveaux pour le moment. Mais donc, voilà. Ici, du coup, c'est très facile, en fait, d'être niveau 100, en fait. Parce que les antres nous donnent des... Des histoires de super bons. Voir la boutique Watt. Ouh. Ouh. Fatal Food. Balombe. Danse Draco. Laser Glass. Pas mal. Changer la couleur de la tente. Non, on s'en fout. On s'en fout. Bon, on va du coup arriver à Motorby. Wow. Donc voilà, la première grosse ville de notre aventure. Ok. C'est beau. C'est super beau. Coucou. J'ai pas envie de venir te voir. Alors les terres sauvages, ça en jette, hein. Mais vous devez être lessivé, ton équipe et toi. Faites donc un tour au centre Pokémon.
Il y a un truc qui devrait t'intéresser maintenant que tu es dresseur. Quoi? Qu'est-ce qui devrait m'intéresser? Je vous explique. L'infotisma est un système d'information très pratique pour les dresseurs. D'ailleurs, on peut s'en servir pour personnaliser sa carte de ligue. Tu devrais essayer, c'est marrant. Tiens, je t'en donne une. C'est... Des fois que ça t'inspire. Carte de ligue de Tarak. Ok. C'est grand Motorbi, hein? T'inquiète pas, je vais te faire visiter. Rejoins-moi quand tu auras soigné tes Pokémon. La cérémonie d'ouverture, ça me rappelle les souvenirs. J'oublierai jamais l'excitation de mon tout premier combat sous le terrain du stade. Ok, du coup c'est... Bonjour, qu'est-ce que tu veux faire? Ça à votre PC. Voir l'émission Poké Service. Ok, soigne mon équipe, s'il te plaît. Mince, j'ai pas vu. J'ai pas lu ce qu'elle m'a dit. Elle avait parlé de Breathwick, mais... Ok. Alors, les super dresseurs qui traversent les terres sauvages, tu te souviens de ce qui t'amène à Motorbi, n'est-ce pas? Le défi design. Exactement. La cérémonie d'ouverture a lieu demain. Elle se déroule dans le stade de Motorbi. Pour t'y rendre, ce n'est pas compliqué. Il suffit de prendre l'ascenseur qui se trouve au bout de la rue principale. Sur ce, je te laisse. Je vais en profiter pour faire un peu de shopping. N'oublie pas d'aller t'inscrire au stade. Ok. Ok, ok. Bon. Ah. 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 Bonjour. Coupe maquillage. Alors, on va faire... qu'est-ce que tu appelles maquillage? Coupe. Alors... Non. Oh, ça, j'aime bien. Ça correspond à moi quand j'ai les cheveux longs. Non. Mi-long, j'aime pas. Ça, j'aime bien. Avec une couleur... Non, non. Châtain foncé, châtain cendré, châtain clair, blanc platine. Oula. Violine, blanc, vert. J'aime bien violine. C'est... Mince. Oh, allez. Mince. Allons, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Allez. Oh, c'est pas dégueu. Oui. Viens quand tu veux. Et on va tester le maquillage, voir ce que c'est. Voir ce que c'est. Quoi t'as envie? Ah. Fin. Épais. Ouais. On va le mettre en de la même couleur. C'est mieux. Et, ok, on a nos yeux, donc on a nos... Oh, noisette, c'est classe. Jaune, c'est sympa. Rouge, c'est beau. Violet, c'est beau. Marron, c'est sympa. Oh, bleu outre-mer. Anis, lavande. Multicolore. What the fuck? Obscurci, flamme, cœur. Superstar, ah sympa. Non. C'est où? Soit outre-mer, soit rouge. Non, c'est pas rouge. Ou coquelicot, coquelicot j'aime vraiment beaucoup. Ça me donne un de ces styles. Allez.
Fais voir. Fais voir. Oh oui, on est stylé. Oui. Ok. Ensuite, on va aller voir à côté. Franchement, j'aime bien notre look. Bon, on passe pas du tout discret, mais c'est pas grave. Tac, on va vite aller voir là les vêtements qu'ils ont, même si bon. Oh, ils ont un polo, ouais. C'est vrai qu'ils ont des polos par contre qui peuvent être sympas. Bon, après, ça fait peut-être un peu trop bien habillé. Ouais. Non. Ah, notre pantalon. Notre pantalon, il nous manquait quelque chose. Ce pantalon-là, ce jean tendance, est sympa. Mais bon, 11 000. Non. Mais les chaussures sont pas belles, non. Le sac. Non. Casquette de sport. Ok. La casquette, ça se voit pas. Les lunettes. Non. Oh mon dieu. Oh là là. Les gants. Non. Bon, on n'achète rien. Oui. Ok. Du coup. Bon, faut qu'on aille s'inscrire pour le... au stade de Motorbike. Et franchement, on est classe. Moi, j'aime beaucoup. On pète la classe. Donc, on est parti du coup pour s'inscrire là-haut. Dra. Tarak. Tu voudrais qu'on fait ? Non, il y a Tarak. Merci mon gros. Heureusement que tu étais là. Comment je ferai pour trouver le stade sans toi ? Ça lui paraît la forme. Je vois que tu montres. Hein ? Tu te montres digne, pardon, de ma lettre de recommandation. Attends, j'ai un truc qui pourrait t'intéresser. Voilà. Tu pourras faire tenir ça à l'un de tes Pokémon. Une graine miracle, ça fait quoi? Une graine miracle remplit la vie. Remplit de vie. Augmente la puissance des attaques du type plante. Pas mal. Et maintenant, va vite prendre l'ascenseur. Le stade de Motorbi t'attend. Bah du coup on va donner oula. Graine miracle, on va la donner à Wistempo. Ok, du coup, faut voir la carte de Link. La carte de Link par contre. Non. Ok. Ok. Bon bah allez, du coup on est parti pour s'inscrire. Oh, t'es là. Le stade de Motorbi, c'est là que la cérémonie d'ouverture aura lieu. C'est retransmis à la télé, tu te rends compte? Nos mères vont nous voir. Mon sang, qu'est-ce que je dis? Le monde entier va nous voir, quelle pression. J'en tremble tellement, je stresse. Non. Pas du stress, c'est juste que je suis complètement surexcité. Viens par, on fonce, le monde entier va apprendre nos noms. Ok. T'as vu ça? Il y a des challengers partout. Quand je pense qu'ils sont tous nos rivaux. Enfin bref, allons nous inscrire. Ça va toi? Salut toi. C'est
C'est quoi son problème à lui? C'est pour le défi des arènes? Vos lettres de recommandation, s'il vous plaît. Oh, vous êtes recommandé par le maître en personne? C'est la première fois que je vois ça. Moi aussi, je suis recommandé par le maître. Le maître a recommandé deux personnes. Mais qui êtes-vous? Des célébrités? Moi, c'est Nabil, je suis le petit frère du maître. Et je suis bien décidé à le détrôner. Très bien, si vous le dites, juste un instant. Et voilà, vous êtes maintenant tous les deux inscrits au défi des arènes. Veuillez choisir votre numéro de dossard, il sera ensuite imprimé sur votre uniforme. Un numéro de dossard. Un numéro qui peut faire sympa. Le... Oh non. Voilà. Le 666. Voyons. Voici un bracelet d'éveil. Tous les challengers doivent en porter un. On est le diable. Le défi des arènes commence dès demain, ici même. Tous les challengers peuvent loger au Rose Bouton d'Or en attendant la cérémonie d'ouverture. Trop sympa, le président de la ligue. Grâce à lui, on peut passer une nuit à l'hôtel gratos. Bon allez, je vais m'enregistrer à plus. Bonjour toi. T'as l'air complètement perdu mon pauvre. Bon bref. Ouais ok. Il ne me disait rien d'intéressant. Excuse-moi, vous êtes bien para le challenger? Le rose bouton d'or est dans cette direction. Je vais vous y emmener, suivez-moi. Parfait. Parfait. Bien, para. Nous voici au rose bouton d'or. Reposez-vous bien et ménagez vos forces pour les combats qui vous attendent. Salut les apprentis dresseurs, alors, c'est bon, vous êtes inscrits? Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? J'enquête sur le mystérieux Pokémon de la forêt de Sleepwood. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de fouiller du côté des légendes de Galar. Ça vous intéresse? Déjà, c'est quoi ça? C'est la statue du héros qui a sauvé Galar. Il y a très longtemps. Vous voulez connaître l'histoire? On veut tous les détails. Il y a fort longtemps, un sombre vortex s'est matérialisé dans le ciel de Galar. Les gens l'ont appelé la nuit noire. Des Pokémon géants sont apparus un peu partout et ont commencé à saccager la région. Mais un jeune et valeureux héros, armé d'une épée et d'un bouclier, les a tous vaincus. Cette statue représente le jeune héros de la légende. Mais on a vraiment très peu de sources fiables pour cette histoire. Je vous laisse imaginer le casse-tête que c'est pour les historiens. À quoi ressemblent l'épée et le bouclier du héros? Mystère. C'était quoi ce vortex? On n'en sait pas plus. Beaucoup d'énigmes autour de cette nuit noire qui a assombri le passé de Galar. Oh, ok. En tout cas, le héros, il en jette. Il devait être fort comme mon frangin. En tout cas, tu vas avoir du pain sur la planche, Sonia. Il faut que tu fasses des recherches sur le vortex, les armes et tout. Ça va aller. Bof, on verra bien. C'est ça, la vie de chercheuse. Vous dormez à l'hôtel, c'est ça? Pensez à vous enregistrer à la réception. Enfin... Ils ont l'air pas mal occupés là.
Ça marche. Et si on trouve quelque chose, on te prévient. Voilà. Comment ça, il n'y a pas de réservation au nom d'Yat Miguel? On s'est déjà tapé tout le trajet jusque dans cette ville de Bourg pour encourager notre choupinette et en plus il faudrait payer une chambre. Il va falloir nous battre pour nous faire partir. Mince. Tu cherches les embrouilles, c'est ça? On est venu ici pour soutenir la meilleure des dresseurs, ok? Et nous, on est les meilleurs supporters, alors tu vas pas faire le malin longtemps. C'est parti! Sbire de la team Yel, donc voilà, la team de méchants, entre guillemets. Enfin, plus la team de rivaux, on va pas se cacher. Que méchants. Donc ils ont, ok, un zigzaton de Galar, je sais pas du tout quel type il est. On va tenter morsure, on verra bien. Peut-être type ténèbres, je me dis. Je sais pas du tout quel type il est. Je ne sais pas. Ça va le faire? Ça va le faire. Ça va être chaud, mais ça va le faire. Attention, c'est les chouilles, de toute façon. Ok, on va switcher. Équipe, on va envoyer... Oh, ils volent toutou, tiens. On va envoyer notre vol toutou. Est-ce qu'on a statique? Non. Frotte frimousse. Il est paralysé, parfait. Et maintenant, bon, on va utiliser ce charge. Ouais, tu gères mon vol toutou. Vous gérez les gars. Parfait. Ok, Wistempo qui passe niveau 12, vol toutou qui passe niveau 8, niveau 9, et Kelocroc qui passe niveau 8. Tranche herbe. Ouh oui. Oublie une capacité, on va enlever rougissement. Ça c'est cool. Parfait. Bon. La team Yel, enfin un sbire de la team Yel, c'est fait. La team Yel se vengera. C'était pas le seul combat. Carrément, un combat dans le hall d'un hôtel pour bougre. Je dis oui. Donc voilà. Ce qui est important, c'est vraiment de pas avoir de Pokémon KO. Parce qu'un Pokémon KO, c'est un Pokémon qui rapporte... Enfin, c'est un Pokémon qui gagne pas d'XP, en fait. Efficace, pas très efficace. On va envoyer Wistempo. Tac, ok, trancherbe. Sympa. Bon, ok, tu vas dégager tout seul. Tapotige. Voilà. Parfait. On continue.
trop bougre ici. Je peux pas me battre sérieusement au milieu de tous ces gens de la ville. Eh ben, dis donc. C'est toute une aventure de s'enregistrer à l'hôtel ou quoi? Oh, mais attends, vous faites des combats Pokémon? Trop bien. Ça fera une séance d'entraînement. Bouge pas par là, je vais soigner ton équipe. Enchanté, moi c'est Nabil. Je suis challenger et je suis bien décidé à devenir le prochain maître. Prêt pour un petit 2 contre 2? Oh! Carrément, un 2v2. Pff. On va vous montrer qu'on est de vrais supporters. Venez pas pleurer après. De vrais supporters. Supporters, supporters? Supporters. Zigzaton et Goupilou. Ok, donc c'est un mélange des deux. Goupilou vive attaque, on va faire attention. Mouton charge. Heureusement qu'il y a son mouton quand même. Oula. Ok, notre attaque baisse. Piste là-haut. On va retaper le Goupilou. Il est relou son Zigzaton. Tac. Twist tempo. Vive attaque. Ok, alors du coup on va faire tranche herbe, et tranche herbe il me semble que voilà ça touche les deux, donc on va peut-être mettre les deux KO. Ce serait cool. Et on met les deux KO, parfait. Ça c'est cool. Killocroc qui passe niveau 9. Nuisange qui passe niveau 12. Fury, qu'est-ce que c'est que Fury? Fury, frappe l'ennemi 2 à 5 fois d'affilée avec un bec ou une corne. 15. Place de gros yeux. Prends Fury. Tellement dégoûté d'avoir perdu, j'en ai la voix qui tremble. J'ai besoin de soutien là. Je suis venu mater la cérémonie d'ouverture des défis d'arène, moi. Bon, ok. Les seuls qui pleurent dans l'histoire, c'est nous. Mais il se passe quoi ici, Rosemary? En fait, je sais que vous prenez cette histoire de défi des arènes à cœur, les gars, mais la violence, c'est pas la solution. Clairement pas. J'adore moi, Rosemary. Je sais pas, c'est un personnage que j'adore, je sais pas. Je serais pas vous dire plus que ça pourquoi. Désolé, ils sont fans de moi. Ils se sont trouvés le surnom de Team Yell. Ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être relous parfois. Ça suffit les bêtises, rentrez chez vous. Ils sont pas méchants, c'est juste qu'ils veulent me soutenir à fond. Trop même. Ils ont tendance à provoquer les autres challengers. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse pour eux. Oh, trop cool. T'es une challenger aussi. Et t'as plein de supporters. Ils ont un nom et tout. Je trouve que ça sonne bien, la Team Yell. Elle est trop mimi. Ah, elle est trop mimi. Bonsoir, bienvenue
à l'hôtel Rose Bouton d'Or. Vous êtes un dresseur prenant part au défi des arènes, c'est bien cela? Oui. Ah, monsieur Parra. Voilà, la Ligue a réservé une chambre à votre nom. Et merci encore pour votre intervention salvatrice de tout à l'heure. Je vous souhaite un excellent séjour chez nous. Tadadam. Le lendemain. Salut. Je crois que le conjour est arrivé. Notre histoire va commencer. Viens par là, on fait la course jusqu'au stade de Motorby. Non, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas, franchement, sincèrement, les amis, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous du coup très bientôt pour la suite de notre aventure. Merci à tous. C'était Para. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Merci à tous. Partagez la chaîne de vidéo avec vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci à tous. On a un look d'enfer. Allez, merci à tous. C'était Para. Bye bye tout le monde. Allez. Salut tout le monde. Bye. Salut tout le monde. Ciao, ciao, ciao.